New York, automne 1929. Le 24 octobre, le cours des actions s'effondre à la bourse de Wall Street. Un jeudi noir qui va changer la face du monde. Du jour au lendemain, des centaines de milliers d'actionnaires sont ruinés. Le monde vient d'entrer dans la plus grave crise économique de son histoire. La crise de 1929 a effectivement marqué une rupture dans l'histoire économique et sociale française. La France avait jusqu'à cette époque été un pays relativement prospère. Il faisait bon vivre en France, comme on disait à l'époque. Et il est vrai que d'un seul coup, cette crise de 1929 a eu l'effet d'un monde qui s'écroulait pour les Français. En Allemagne, des millions de personnes sombrent dans la misère. Les banques sont ruinées et les entreprises font faillite les unes après les autres. Pour parer à cette situation de crise, le gouvernement allemand ne voit qu'une issue possible. À l'époque, le gouvernement a taillé partout où il a pu. Il s'est attaqué aux acquis sociaux. Il a baissé les salaires. C'était des mesures nettement plus cruelles que toutes celles dont il est question dans les débats politiques actuels. Le crash boursier de New York a rapidement des répercussions sur l'économie allemande. Les investisseurs américains coupent les importants crédits qu'ils avaient accordés à l'Allemagne les années précédentes. En proie à d'énormes difficultés de paiement, de nombreuses entreprises licencient en masse. Instaurée en 1927, l'assurance chômage est aussitôt mise en péril. Ses réserves financières ne lui permettent pas de faire face à l'augmentation brutale du nombre de chômeurs. Pour lutter contre la fraude, les chômeurs sont obligés de se présenter régulièrement au bureau du travail, munis de leur carte. On appelait ça le bureau des tampons. On devait y aller deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour faire tamponner notre carte. Celui qui ne pouvait pas y aller ne recevait pas d'aide. Quand on réussissait à avoir un petit boulot, on faisait attention que ça ne tombe pas un jour où on devait faire tamponner notre carte. Si le bureau du travail s'en rendait compte, il augmentait le nombre de jours où on devait venir pointer et nous pénaliser. Ça arrivait qu'on ne touche rien pendant 4 semaines. Et là, il fallait bien se débrouiller. En France, la crise prend une autre forme. Le crash boursier de New York n'a pas de conséquences immédiates sur l'économie française, qui dépend moins des capitaux américains. Mais le commerce mondial est paralysé. La France, dont la population travaille majoritairement dans le secteur agricole, peine à exporter ses célèbres vins et fromages les plus réputés. Les travailleurs agricoles sont les premiers touchés par la crise et ne bénéficient d'aucune assurance chômage, comme en Allemagne. En France, il n'y avait pas de système de ce type. Nous n'avions pas, avant la crise, de système social. Le patronat français était très conservateur et l'État était libéral. Il intervenait très peu dans l'économie et dans la société. Donc il n'y avait pas de protection sociale. On avait juste mis en place une politique familiale. Mais les chômeurs qui étaient des chômeurs complets n'avaient pas de revenus de substitution et ils étaient en quelque sorte remis un peu à la mendicité publique. En 1930, l'étendue du chômage et la question de son financement provoque la chute du gouvernement de coalition à Berlin. Pressé par ses conseillers, le président Hindenburg décide de nommer un gouvernement sans majorité parlementaire. Investi de la confiance d'Hindenburg, le centriste Heinrich Brüning devient le nouveau chancelier. Afin d'assainir les finances publiques, il accepte le plan Jung qui fait l'objet de nombreuses critiques. Ce plan, qui tient son nom de l'expert financier américain Owen Jung, échelonne le paiement des réparations imposées à l'Allemagne. Il exige en outre qu'elle s'acquitte de ses dettes par ses propres financements, sans faire appel aux crédits étrangers. Pour y parvenir, le chancelier Brüning conduit une politique de rigueur budgétaire draconienne. Par une série d'ordonnances, il augmente l'impôt sur le revenu, sur le tabac et les personnes célibataires. Il met en place un impôt sur la bière et une surtaxe sur le revenu. Il augmente le montant des cotisations sociales et diminue les allocations chômage.
L'arrivée de Brüning au pouvoir met fin à une période jusque-là plutôt favorable aux travailleurs. L'État va même jusqu'à réduire d'un quart les salaires des fonctionnaires. Peu de mouvements de lutte s'organisent contre ces mesures drastiques. Les syndicats divisés organisent des piquets de grève isolés. Par ailleurs, les syndicats et le SPD veulent à tout prix éviter que la crise politique ne dégénère en guerre civile. Le pays semble condamné aux mesures de restriction engagées par Brüning. Le gouvernement a surtout cassé les acquis sociaux. C'est à cette époque qu'est né le terme de démantèlement social. Il faut bien comprendre que c'était des mesures beaucoup plus drastiques que toutes celles qui existent aujourd'hui. L'Allemagne était en pleine dépression économique. Elle avait été brusquement privée d'une partie de ses revenus fiscaux et devait trouver de l'argent pour pouvoir rembourser ses dettes à l'étranger. Les mesures prises par ordonnance permettaient plus ou moins de compenser la baisse des recettes fiscales. Le gouvernement essayait tant bien que mal de colmater les brèches. Une nouvelle loi prévoit qu'une femme fonctionnaire pourra être licenciée si son mari travaille. Les hauts responsables politiques sont favorables à l'interdiction des ménages à double revenu. Derjenige Teil des Volkes, der sich noch in Arbeit befindet, soll und will opfern für diejenigen, die nicht nur von monatelanger, ja sogar von jahrelanger Arbeitslosigkeit bedroht sind. Weiter muss mit den Doppelverdienern wenigstens vorübergehend aufgeräumt werden. Es geht nicht, dass derjenige, der Pensionen, Wartegelder und dergleichen bezieht, noch außerdem dem übrigen Teil des Volkes Arbeitsplätze wegnimmt. Mais cette loi, qui ne devait s'appliquer qu'aux fonctionnaires, s'étend à d'autres catégories professionnelles. Lucie Wolf s'en souvient. Mon oncle était employé de banque et ma tante danseuse de claquettes. Et puis, il y a eu la montée du chômage et cette loi qui interdisait que les deux membres d'un couple travaillent. Mon oncle et ma tante ont dû faire un choix. Finalement, c'est ma tante qui a continué à travailler et mon oncle qui a quitté son emploi. Après un an, les chômeurs ne reçoivent plus d'aide de l'assurance chômage et doivent se tourner vers les municipalités. Ils obtiennent des sommes dérisoires qu'ils sont ensuite tenus de rembourser. Alfred Zeiler est l'une des nombreuses victimes du déclin social. Je me suis retrouvé au chômage en 1931. On recevait d'abord une allocation chômage et ensuite une allocation de solidarité pendant 6 mois. Après ça, on dépendait de l'assistance publique. Moi, j'habitais encore chez mes parents et je touchais 1 marque et 82 pfennig. Mais on devait ensuite rembourser l'argent ou alors il fallait travailler. Pour cette somme, valait mieux travailler. Pour parer à cette situation d'urgence, de nombreuses collectivités mettent en place des chantiers communaux. Elles assignent les travailleurs à la construction de routes et à divers travaux de nettoyage. Les coûts engendrés sont en partie remboursés par l'État. On faisait des travaux d'éclaircissement et de reboisement dans les forêts. J'ai aussi été balayeur. J'ai même nettoyé les bouches d'égouts. C'est le genre de travail qu'on nous donnait à faire dans les villes. Si aujourd'hui, ceux qui touchent des allocations devaient les rembourser, je pense qu'ils chercheraient plus vite du travail ou qu'ils accepteraient n'importe quel type de travail. Nous, à l'époque, on était bien obligés d'accepter ce qu'on nous proposait. Mais les mesures de restriction budgétaire ne suffisent pas à endiguer la crise. À l'été 1931, la ruine de plusieurs banques entraîne une crise financière généralisée. Beaucoup perdent leurs derniers biens. L'insolvabilité des banques ébranle durablement l'édifice financier international. Pendant les années 1920, l'Allemagne était le plus gros emprunteur du marché financier international. Mais quand subitement, elle n'a plus été en mesure de rembourser ses crédits, ça a entraîné d'énormes répercussions sur l'économie mondiale. Ce qui s'est passé en Allemagne a eu un effet de domino. Les pays se sont mis les uns après les autres à diminuer ou à couper les crédits, et chacun s'est enfermé dans une politique protectionniste. Cette scène, tirée d'un film publicitaire de 1931, illustre la peur de la fuite des capitaux. En achetant des produits d'importation, l'honnête travailleur allemand voit son argent partir à l'étranger. Le
le protectionnisme entraîne une chute des exportations. L'économie allemande encourage l'achat de produits nationaux. Des campagnes publicitaires comme celle de Halle ou de Dessau font appel à la fierté nationale. Mais leurs effets sont limités. Dans notre droguerie, on vendait une poudre de maquillage de fabrication française, la poudre Coty. Mais on nous avait demandé de ne plus proposer cet article à la vente. Des films de propagande diffusés aux actualités invitent le consommateur allemand à bannir les produits français. Mais les femmes voulaient la poudre Coty. Elle était vendue dans un petit poudrier qu'elles pouvaient glisser dans leur poche. Comme ça, peu importe où elles se trouvaient, elles pouvaient facilement se repoudrer le nez. La poudre allemande n'était pas aussi pratique. La poudre Coty avait été boycottée, mais les femmes disaient « On veut la poudre Coty ».